On est prêts? Oui. Ok. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour la première présentation de mon bébé, c'est-à-dire être totally mégalo. 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et surtout l'assumer. Mais si c'est ta sœur, mais si c'est ta frère, mes enfants en enfant, bonsoir, yékri, yémisikri, chers totally mégaliens, totally mégaliennes. Je me présente, Mata Gabin, coach anti-chagrin. Wouh, ça résonne ici, j'adore. J'ai été nommée ce matin à 11h11, mais là n'est pas le sujet. Chers totally mégaliens, je suis ravie d'apporter ma pierre à l'édifice pour lequel nous sommes ici tous réunis maintenant, en ce moment. Tout de suite, silence! Entre nous, en community. Yékri! Yémisikri! C'est bien. Nous sommes donc là pour upgrader, magnifier, amplifier, améliorer nos logiciels internes du bonheur qui sont encombrés. Yékri? Bien. Nous allons ensemble, messieurs, dames, chers totally mégaliens, synchroniser nos applications vivaces, biovivaces, in primo meritas, in totally ego, totally mégalo. À l'heure du digital, bonsoir. Allez-y. Merci, je vous en prie. Allez par là aussi, c'est bien. À l'heure du digital, de la tablette tactile, de la fibre optique, de la fibre décryptée, du moteur de recherche googlifié et de la colle à bois. L'être humain, el res humanos, the human being, amazing human being, yes, he can, se doit de réinitialiser son computer saturé. Yékri. Yémisikri. Ce soir, aujourd'hui, maintenant, tout de suite à l'ordre du jour de notre brainstorming ensemble. Le slash Ndala underscore grand A petit accès Rix passé à la ligne. Nous allons collectivement, ensemble, parler de l'estime de soi. Yékri. Yémisikri. C'est bien. L'estime de soi, Kézako. Qu'est-ce que c'est? Que cosa c'è? L'estime de soi, la même c'est quoi? C'est ce que tu penses de toi, juste avant, pendant et parfois même après tes actes ou tes dires. L'estime de soi passe sa tête par la porte de ton conscient, inconscient. Elle met ses petits doigts posés comme ça sur la rambarde et tu redoutes qu'elle se blesse. Tu as peur. Elle te regarde sans retenue, visage à nu, et tu sais qu'elle te téma, comme disent les jeunes. Elle téma jusqu'au fond de toi. Elle atteint ton disque dur. Tu sens qu'elle atteint ton disque dur, ta mémoire vive, ton algorithme, l'estime de soi. Elle est mignonne, avec ses petites URL en forme d'oreille. Et elle sait. Elle sait que tu es le peu de place que tu te laisses. Elle sait que tu sais qu'elle sait la valeur que tu as, mais que tu es. Mais conciliante, l'estime de soi te donne du temps. Elle te donne le temps de la mise à jour. Elle te donne le temps d'un autre téléchargement. Alors elle repart avec un petit rire taquin, comme ça. Comme si elle marchait dans un champ de bonne pelouse,
moelleuse, cotonneuse, parsemée de marguerites en fleurs, aux senteurs d'un été de bord de mer, quand la température extérieure, douce amère, te donne envie d'apéro, de bédo, de mojito. Mais là n'est pas la question, bande d'alcoolos. L'estime de soi est une petite bébête avec sa petite tête et qui te montre bien ce que valent tes dires et tes gestes. Et il n'y a pas de mots, mais peut-être, quizás, maybe, des mots. Mais là n'est pas le sujet. L'estime de soi, c'est ce que tu penses de toi. Alors, j'ai envie de dire, pense-toi bien. Ouais, mets-la-toi bien. Mets-toi là bien. Mets bien là toi. Mets-toi bien là. Enfin, comme tu veux. Dessus, dessous, en diagonale, à l'horizontale, à la verticale. Comme tu sens. Tu peux la mettre en bandoulière. Tu peux la mettre en bijou. Tu fais comme tu veux. L'estime de soi, tu peux l'accrocher au mur. Tu peux en faire un tableau. Il faut que tu puisses promouvoir ton contenu éditorial personnel interne de toi-même. Tu peux faire des selfies si tu veux, pour l'estime de toi. Comme ça, après, tu as le cou bloqué, penché, à force de pencher la tête pour être sous ton meilleur angle. Mais là n'est pas la question, encore une fois. L'estime de soi, ça va de toi à toi. C'est assez court comme circuit, intranet. Hein? C'est un trajet Bluetooth de toi-même à toi-même. Pas de câble Ethernet, pas de fibre optique. C'est un réseau fermé. Intramuros, chérie, tu n'entends pas? L'estime de soi, il faut la faire briller. Il faut la polir. Hein? Comme la surface d'un rubis, tu frottes gentiment. Il y a écrit? L'estime de soi, eh ben c'est quand? Mais c'est tout le temps, à partir du moment où tu es vivant, jusqu'au moment, mais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, l'estime de soi, tu te souviens, est-ce que tu as souvenir du moment où tu as pris conscience que tu étais vivant? Souviens-toi ce moment, ce délice, où tu as compris que tout était possible et que tu es ton propre moteur. L'estime de soi, cette chose incroyable que nous donne la vie, la vida. La vie qu'on ne regarde pas assez souvent avec estime, messieurs, dames. Tiens, elle aussi, la vie, elle cherche parfois l'estime qu'on a d'elle. Ce truc, nous, on est là, debout, assis, à trois pattes, bref, on est là. Regardons-nous, regardons-la. On parle, on respire, l'air entre dans les poumons, ce va-et-vient, cette communication entre nous, de nous à nous. Purée de bois, c'est l'estime de soi. Je suis le sujet. Le sujet, c'est moi. Il me concerne. J'envoie un wifi sanguin, comme ça. L'info arrive directement à la base de données. Je constate qu'elle arrive avant même l'émission. Sachant qu'un atome d'hydrocarbure, carbure justement, à 8, à la vitesse de la diffusion de la lumière au carré, multiplié par 10, et je retire la masse calorique. Je retire la masse calorique anxiogène de l'oxygène et je multiplie par le coefficient. Je vous ai perdu, je suis trop scientifique. Yekri! Je suis trop scientifique pour vous, mais là n'est pas le sujet. Je vous l'accorde. Nous en sommes à l'estime de soi, qui est au centre du cœur de notre soirée d'amoureux de l'art, d'amoureux de l'œuvre artistique qu'est nous, moi, vous. Nous sommes des œuvres à nous. Yekri! Alors, je vous dis de profiter. Profitez, profitum, profitare, profitares, profitons donc. Mes sisters, sœurs, mes bras à frères et les enfants. Les enfants, ils sont où les enfants? Il n'y a pas d'enfants, c'est pas grave, viens crie. Donne-toi une bonne note. Donnez-vous un 17 sur 20 pixels. Tu t'installes au bureau de ton totali mégalo, bien à l'aise à l'intérieur de toi-même, tu vois. Au grand galop, sur ton cheval, sur tes envies, et tu coupes le temps, tu coupes
tu décales le temps, tu décales, tu te lances l'approbation, tu lances, tu danses, tu fais le standing ovation, tu whines, tu colles la petite. Tu t'inventes une chanson. Je m'aime bien, c'est mon destin, l'estime de moi, l'estime de moi. On a tous en nous un peu d'estime de soi, comme une envie de réveiller la joie. Et oui, en nous cette belle estime de soi, estime de soi. Bon, ça va pas nous le faire revenir, mais bon. Tu fais glisser le compliment le long de ton talon d'Achille. Tu le malaxes, tu le relaxes, tu la laisses monter cette estime de soi par la culture extérieure de ton legging tout neuf et tu l'accueilles et tu la sens l'estime de soi, elle palpite, hein. Elle est heureuse, elle ne demande qu'à grossir. Alors, fais-toi du bien, prends-la entre tes mains l'estime de soi, telle une plume légère et confortable. Fais-la rouler comme un secret, un poulet, comme un oiseau, comme une colombe. T'en finis le jour, berce-la, embrasse-la, bécote-la. Elle ne demande que ça. Un petit mouvement tendre, juste une caresse à donner et à entendre. Tu la fais balancer, tu la fais zouper, tu la fais whiner. Et parfois tu en fais un peu trop. C'est pas grave, là n'est pas le sujet. L'estime de soi, elle emprunte le chemin de ton corps, d'accord ? Elle t'adore, d'accord? Alors, chère Totalie Mégalien, Totalie Mégalienne, chers amoureux de l'art, l'estime de soi, c'est l'opinion que tu as de toi-même, n'est-ce pas? Mais alors, comme je te le dis, vois-toi bien cette manière dont tu te juges. Non, non, elle vous adore, adorez-la en retour, parce que on ne fait pas un aller simple vers son milieu, non. L'escalator va dans les deux sens, d'accord? Dans celui-là et dans celui-là. Comme toutes les choses vivantes, vibrantes, luminescentes, l'estime de soi vit, elle est vivace. Sa valeur est changeante, souvent son charme varie. Si on oublie de la nourrir, elle décline. Elle crie seule, elle se retrouve vacillante. Comme un navire troué de toutes parts, branlante comme une maison hantée, déficiente comme un vaccin malade, beuglante comme un coucou qui perd la boule d'une esthéticienne en retard, ou un condamné au cafard. L'estime de soi peut battre la peau d'un vieux tambour et oublier le son de l'amour. Ah, c'est horrible, c'est dégueulasse. Il y a écrit, il y a mystique. Alors sois ton propre avocat, comme dans les séries télé, wesh. T'es pas bien là dans ta personne, hein, à l'ombre de ta vie, n'est-ce pas, mon petit chou? Hashtag totally mégalo toi-même. Hashtag totally mégalo, tu te mets à l'aise, tu plaides ta cause, tu remontes tes manches, hop là, tu te prends en main et tu t'emmènes faire un tour. Change de cap, tu verras. Elle n'est pas loin, l'estime de soi. Elle t'attend, elle sait faire ça, elle te regarde depuis longtemps, depuis le début. Elle est là dans les starting blocks. Un signe de toi et hop, 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 comme chez une botte. Elle fonce, rapide, elle se réconcilie avec toi, elle te donne tout. Alors toi aussi, donne-lui. Parce que l'estime de soi, c'est ton trésor. Elle est là pour toi. Quoi qu'on dise, quoi que tu entendes, laisse parler les gens. Mais toi, ne t'abandonne jamais. Ouais.